Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner avec la cloche de notification et de lâcher un gros pouce bleu. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore abonné, je vous invite à tous mettre mon code créateur FinTech bleu dans la boutique Fortnite. C'est super important, cela me soutient énormément. Bien sûr, bonne vidéo. Comme tu peux le voir, j'offre tes cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un cadeau dans la boutique Fortnite, bah pour cela c'est vraiment hyper simple. Première chose, tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, tu mets un petit pouce bleu et bien sûr tu mets le code créateur FinTech bleu dans la boutique Fortnite. Une fois que tu as fait tout ça, tu mets ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Tu peux le mettre plusieurs fois, ça me dérange surtout pas. Et bien sûr, bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je remonte super bien. Comme vous avez vu au titre et miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, juste avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher une tuile avec la petite cloche de notification, cela me fera super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite à rentrer dans la boutique d'objets et de faire la case soutenir un créateur et de rentrer le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite, c'est super important, cela me soutient énormément, merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve simplement pour un tournoi Witch sur Fortnite Battle Royale en saison 4. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification, cela me fera vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite à lâcher un gros like sous la vidéo, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, comme vous avez vu aujourd'hui, on se retrouve simplement pour un tout nouveau glitch de V-Bucks sur Fortnite Battle Royale en saison 4. Comment obtenir plus de 13 500 V-Bucks, voilà, pour le prix de 80€. Nous, on va simplement les obtenir gratuitement. Du coup, j'ai vu le glitch sur TikTok, normalement tout a l'air de fonctionner. C'est pour ça que je vous demande vraiment un maximum de pouces bleus pour ce tout nouveau glitch, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, comme d'habitude, avant de commencer les glitches, je t'invite à te rendre dans la boutique de glitch, de faire la case soutenir un créateur et de rentrer le code créateur FinTech bleu dans la boutique Fortnite. Une fois que tu l'as rentré, tu as juste à aller dans la case jouer et là tu vas dans tes paramètres. Une fois rendu dans vos paramètres, tu cliques ici sur le petit logo. Là tu fais ressortir des guides d'opinion, tu cliques sur oui, tu fais appliquer. Et là tu cliques sur non, tu fais appliquer. Et après avoir fait ça, cela, tu vas juste à faire choisir le mode de jeu comme moi dans la vidéo. Là tu cliques sur le mode de jeu Battle Royale. Tu attends le chargement. Et là ici, tu as juste écrit 13 500 V-Bucks. Après là, tu fais envoyer. Là, vous devez être dans un canal pour envoyer le message. Ce que vous faites, vous cliquez ici dans les paramètres. Là, vous allez avoir votre message 13 500 V-Bucks. Ce que vous allez faire, là, vous allez faire signalement retour. Là, vous allez cliquer sur signaler un bug. Là, vous allez descendre tout en bas. Boutique, casier ou salon. Vous allez cliquer dessus. Là, vous allez voir les objets ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Vous allez cliquer sur ce message-là. Là, vous allez continuer. Et là, vous allez accepter votre message. Là, vous allez attendre envoi du signalement. Là, vous allez confirmer votre signalement. Après, là, ce que vous allez faire, là, vous allez faire la case acheter plus de 13 500 V-Bucks. Normalement, il y aura un écran noir, peu importe votre plateforme. Là, vous allez juste à faire retour. Là, vous continuez sur la boutique d'objets. Vous allez avoir un petit chargement. Vous allez faire la case soutenir créateur. Là, vous allez rentrer le code créateur FinTech bleu dans la boutique. Là, vous allez faire accepter. Après, en fait ça, ce que vous allez faire, vous allez partir dans vos paramètres. Vous allez faire choisir le mode de jeu. Là, il vous reste juste à cliquer sur le mode créatif. Là, vous allez attendre le chargement. Là, vous avez juste à faire le bouton ici, paramètres. Vous allez cliquer sur la petite tête ici. Et là, dans quête d'opinion, vous allez faire oui. Et là, vous allez appliquer. Et simplement, ce que vous allez faire encore une fois, vous allez encore choisir le mode de jeu. Là, vous allez bien cliquer sur le mode Battle Royale. Vous allez attendre le chargement et simplement sur la vidéo, inutile d'attendre 1-2 jours avant de récupérer plus de 13 500 V-Bucks sur Fortnite Battle Royale. Du coup, je vous tiens au courant sur mon compte Instagram, voilà, en story. Du coup, voilà, venez me follow pour que je vous montre si le glitch il a fonctionné ou pas. Ça fait vraiment super plaisir. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé du glitch, s'il a été rapide ou long. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et de faire soutenir un créateur et de rentrer avec 4 créateurs FinTech dans la boutique Fortnite. Ça fait vraiment super plaisir. Bah, sauf si des personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite, c'était FinTech. Allez, ciao tout le monde.